Salut les amis, aujourd'hui je suis en compagnie de Théo. Salut. Nous allons faire donc ce bunker qu'on a déjà fait si vous suivez la chaîne. Cette fois-ci on va le faire avec un meilleur éclairage puisque la première fois qu'on avait tourné on avait vraiment un éclairage de merde. Et là du coup pour celle-ci on s'est équipé. Allez c'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Bon, Théo ouvre la marche. Allez, à mode jeu. Hop là. Tu peux te passer la carte. Merci. Là, je la sens pas. Hop. Oh le sac, je vais pas passer. Voilà, on est direct. Hop là. Merci. On va brancher le micro pour le son. Allez, c'est parti. On a allumé l'éclairage, le micro est branché. On va vous filmer un peu en bas là. Donc, du coup, là, vous voyez, on voit bien mieux. Allez, la hauteur à peu près. Hein. Là, il y a 20-25 mètres facile. Allez, j'ouvre la marche, Théo. Allez, c'est parti. Comme je le connais. Au moins, alors faites gaffe, là c'est vraiment raide. Là c'est limite du 90 degrés, hein. On n'est pas loin, on est sur du 85 géré. Il faut pas se louper. Voilà. Avec le sac, ça le fait moyen. Alors juste pour info les amis, hein, je vais vous poser la question, je suis pas descendu à l'envers parce que j'ai les deux mains qui sont prises. Une elle tient la lampe, l'autre le stabilisateur. Ah oui, c'est une petite colonie de petites bestioles, là. Je sais pas si c'est des moucherons ou des moustiques. Deuxième escalier raide, après il n'y en a plus normalement. On va réduire un petit peu l'éclairage pour économie. Voilà. Je vais garder la pleine puissance pour le milieu de l'ouvrage. Voilà, donc là il n'y a plus d'escalier raide normalement. On va envoyer, hop là. Bon, je vais le faire un peu plus rapide que la première fois, celui-ci. Parce qu'on le connaît maintenant. On va essayer de descendre toutes ces marches. Voilà. Faut pas se louper ici, hein. Faites gaffe sur les côtés, hein. Faites attention sur les côtés. Ouais. C'est interminable comme escalier en colimaçon là. Voilà. On est arrivé en bas, on va les attendre. Donc là. Une petite échelle. Donc là c'est l'ascenseur hein, qui est un peu plus haut. Allez. Théo, ouais, juste si je peux profiter de ton éclairage. Merci. Ouais, cool, comme ça met un renfort. Là on voit vraiment bien comme ça. Donc là on s'enfonce dans l'ouvrage, savoir qu'on est déjà très bas et ça continue à descendre.
là on a une première galerie qui va sur la tourelle en haut. Bon, je pense qu'on va se la faire au retour. On va enchaîner directement sur les galeries principales. Là-bas c'est angoissant. Donc là c'est une galerie qui s'effondre. Là-bas ça enchaîne sur le bloc, un bloc en contrebas. On va voir là vite fait pour l'état d'effondrement. Donc dans la première vidéo, je le montre, hein, c'est dans un état avancé, mais là si vous voyez, bon là franchement je vais pas m'y risquer. Je vais pas m'y risquer, c'est vraiment trop. Vous voyez là c'est du bois qui tenait ça là. Les poutres sont tombées. C'est bien éboulé, vraiment. Donc là c'est trop de risques. Voilà, même note à tous ceux qui font de l'explo, hein, il y a un moment où bon, il faut connaître ses limites. Il y a les limites de la peur, les limites de l'inconscience. Bon, moi je suis pas inconscient, enfin il y a un petit peu d'inconscience on va dire, parce qu'on fait des trucs un peu chauds. Mais il y a un moment il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire non, là j'y vais pas quoi. Bon là franchement je vais pas y aller. J'ai envie de voir ma femme et mes enfants ce soir. Donc voilà, on va pas jouer au con. Voilà, ça sert à rien de gâcher sa vie pour de foutre sa vie totalement en l'air pour une vidéo. Là vous pouvez voir, bon, apparemment c'est une galerie soit qui s'est effondrée, soit qui n'a pas été terminée. Donc là. On a des petites pièces là ici, hein, si je me rappelle bien. Là, il n'y a rien d'autre, hein, c'est tout petit. Petite salle, bon, ça doit être vraiment du stockage. Je vais me répéter, hein, mais faites quand même attention où vous mettez les pieds, parce que des fois, dans l'euphorie, on oublie. Et les accidents arrivent comme ça. Je suis déjà passé, hein, donc je sais de quoi je parle. Là, il y a rien de magnifique, hein. Bon, c'est du stockage pur et dur. Donc on va revenir sur nos pas. Quand on sera dans la galerie principale, je mettrai la lampe pleine puissance, hein. Là, je l'économise un peu. Regardez ce que je vois au sol quand même. Là toi Théo, c'est ton premier comme ça. Ouais, aussi gros ouais. Voilà. Là il y a une petite galerie et il y en a encore une autre après. Hein. Alors, je vais essayer d'envoyer un peu plus. Voilà. Alors, j'ai le focus qui bug un peu des fois. Donc là ce que tu vois c'est un créneau. Donc là il y a cette. Attention au sol. Il y a cette longue galerie. Donc il était défendu par un créneau. Créneau que voici. Donc ce bunker, donc pour info, il a été construit un peu avant, je crois que la Première Guerre mondiale. Donc il a servi aux deux guerres, en première, deuxième. Je crois qu'il a été un peu plus fortifié pour la deuxième. Là, si tu peux voir là, le cadre de porte là, à l'intérieur, c'est du bois. Et si tu vois l'épaisseur par contre, ça te donne une idée de l'épaisseur de porte. Quand tu vois là-haut par contre, voilà, tu vois, c'est pas du bois. Donc là on a ce créneau ici, là, donc qui défendait le tunnel qu'on vient de passer. Donc là, il devait certainement y avoir une mitrailleuse ou un fusil mitrailleur ou tout simplement un fusil. En tout cas, il y avait un guetteur. On a la porte là qui est au sol. Et là on a le tunnel qui continue. Donc là tu sens la fraîcheur là tout d'un coup. Il fait très très froid. Ah là c'est abusé. Alors on peut voir on voit une fonte là, hein, c'est une, putain, c'est du 200, 160 ou 200. Donc c'était les eaux usées de l'ouvrage. Donc je crois que cet ouvrage n'était pas raccordé à l'électricité.
Donc je vais s'éclairer la lampe à pétrole. Alors là, oui. Là, alors là, je vais me faire plaisir, si on va le voir un peu mieux. Donc là, ici, il y a une espèce de dôme. Alors cet endroit-là, c'est immense. J'espère qu'on le voit un peu mieux que sur la première vidéo. Donc la qualité, normalement, elle est meilleure. J'ai un taux d'image par seconde un peu moins élevé. L'autre, c'était du 60. Là, je suis sur du 30 images par seconde. Par contre, la qualité d'image, normalement, doit être mieux. Et là, voilà. Donc ce dôme dont je vous parlais dans la première vidéo. Je sais pas si on le voit, là, s'il y a la notion de arrondi. Donc là en face, c'est boulé. Par contre, je ne sais pas si ça n'a pas été terminé ou si elle a été terminée et que ça s'est boulé. Et là, on a cet immense mini-entrepôt. Donc là, je pense qu'il doit y avoir du stockage, hein, à moins que ce soit qu'il y avait les dortoirs. Où, bon, il n'y a pas de traces au mur de. Je vois pas de ferraille pour les lits ou quoi que ce soit. Bon, ça a peut-être été pillé aussi. On va essayer de s'avancer. Encore des traces de bois. On voit du verre cassé, donc je ne sais pas s'il est d'époque ou si c'était rajouté par des visiteurs. On trouve encore quelques fois des bouteilles de vinasse d'époque. Là je vois rien. Alors, là ce qui est fou c'est que bon on manque pas d'air. Les ventilations j'en ai pas vu, mis à part celle qui a par les blocs, hein, par les créneaux donc qui sont restés ouverts. Attention là, vraiment attention, parce que là celui-là il fait mal. Celui-là tu le vois pas, t'es fini. L'aventure s'arrête là, je pense. Ouais, donc là. Attention là aussi. Voilà, donc ça, par contre, ça, c'est sûr, c'est les galeries qui n'ont pas été achevées. Donc on voit, hein, vous voyez, les arches ont été creusées. On voit les plaquages bois au plafond, là. Donc ça a commencé à être creusé. Donc ça n'a pas été terminé. Là par contre il me semble que c'est la galerie qui s'effondre. C'est les moulots. Attendez-moi là. Donc là on voit qu'il y a du passage par des cons. Là, à mon avis, ouais, pareil, ça n'a pas été achevé. Et là-bas, pareil, ça s'arrête. Ça s'arrête en fond de galerie. Bon, là, moi, je ne vais pas y aller parce que ça s'arrête et que c'est un peu accidenté. Moi-même, en étant là, je suis un peu le con. C'est pas très grave, on va vite ressortir. Ça m'a l'air stable ici parce que c'est dans la roche pure. Mais on a l'abri de rien quoi. Hop. Je vais me perdre un genou. Alors là c'est merveilleux, j'ai jamais fait attention à ça. Là si on regarde au sol, ouais, ce sont des sacs de ciment.
les sacs de ciment d'époque. Alors là, c'est magnifique. Honnêtement, j'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Il y a encore les sacs de ciment de l'époque. Ah bah ça, c'est pas mal. Donc là, il faut faire gaffe. Hein. Bon, je crois que ça s'arrête en bout, il me semble. Enfin, je vais essayer de m'aventurer un peu plus pour voir. Mais... ouais, ça s'arrête en bout. Restez là, hein. Essayez de ne pas faire trembler quoi que ce soit, parce que là je suis en dessous, j'ai pas envie de le prendre sur la gueule. Donc ouais, ils ont commencé à creuser là. On voit encore les tasseaux là. On voit les coffrages, pardon. Vous voyez là, le bois. Il y a encore les coffrages de l'époque. Et là, voilà, c'est en train de creuser, d'ouvrir certainement. Voilà, on a vu, vu comment c'est gaulé au fond, à mon avis, ça s'arrêtait là. J'essaie de faire gaffe. Ah, ce qui me fait peur, là, c'est ça. Plus de 100 ans, j'ai pas envie de me prendre sur la gueule, donc on va vite passer. Donc là, c'est assez accidenté. Là, je suis impressionné là. Les sacs de ciment, quoi. Bah, c'est la première fois que je vois ça. Oui, donc je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ce fort a été pris par les Allemands. Si je dis pas de bêtises, c'est au moment où on a ordonné aux troupes françaises de se retirer. Donc les Allemands l'ont pris. Et il a été repris ensuite. Si mes souvenirs sont bons, parce que je me suis pas trop étalé dessus, hein, mais il me semble que c'est les tirailleurs sénégalais qui sont venus. Je sais pas s'il y avait les Américains, mais je sais qu'il y avait un ou deux chars américains dans le lot. Bon, du coup, sur ceux-là, on va se faire les deux blocs qu'on n'a pas fait. Attention. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, désolé, ouais. je viens de lui faire part de vue. Ouais, ça te plaît? Ouais, j'aime beaucoup. T'es pas engrossé par ces galeries? Non. Bon, ça va. On prend une première, c'est cool. Généralement, ça fait toujours un petit peu peur, hein, si t'es un peu claustro ou... Non, ça va, j'ai la chance de ne pas l'être. Ouais, idem. Enfin, à demi, on va dire, parce que j'aime pas après les boyaux dans les grottes. Bon, après, j'en ai jamais réellement fait, mais rien que l'idée d'en faire, ça viendra peut-être, hein, je pense. Que je vais me mettre. T'as vu la longueur de ce tunnel? Il y a plus grand, hein. Il y a plus grand certes, hein. Mais bon, dans le coin ici, voilà, franchement, c'est pas mal, quoi. Bon, les amis, je vais couper, je vous reprends au pied du bloc, hein, pour pas vous imposer le retour que vous avez déjà vu à l'aller. Voilà, les amis, donc on va se faire un bloc. Donc là en extérieur j'en ai vu trois, le premier par lequel nous sommes entrés, celui de la tourelle et celui-ci là qu'on va faire incessamment sous peu. Est-ce que vous avez senti ce changement de température radical? Là il n'y a plus de frais. Là franchement il doit y avoir 5-6 degrés.